Putain. Pélo, j'avais un moustique ou je sais pas quoi là, je vais où? Putain, il est encore là ce bat. Casse-toi. Bon, du coup, les gars, vlog numéro 5, si je me trompe pas. Et si je me trompe pas non plus, c'est le dernier. On a fait vlog Saint-Tropez, vlog Montpellier, vlog Toulouse, vlog Hossegor. Et maintenant, le vlog, et bah oui. Merde, on est où? Bordeaux. Donc là, du coup, je vais rejoindre le motard Girondin. Ça pousse, ça pousse. Ça, petit homosexuel? Ouais, ouais, ça marche mieux avec une vitesse, hein. Mais j'étais déjà venu là une fois en... Comment ça s'appelle? En voiture, voilà, exactement. Et le mec, il prend plus la voiture, donc il sait plus comment ça s'appelle, tu sais. Je reste pas trop près, comme ça, j'aurais pas besoin de foutre la plaque. Je disais, je reste pas trop près, comme ça, j'aurais pas besoin de foutre la plaque. Bonjour, petit Kinder. Ah, c'est pas moche, hein. Bah ouais, frérot, c'est vert, t'avances pas. Bah après, ça passe à McDo, parce que j'ai pas mangé depuis ce matin, donc... Disons que j'ai un peu la dalle. T'as la même voix en vrai. J'ai plus d'essence. Oh. Non mais je suis large, t'inquiète. Oh. Oh, elle a des à-coups. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, quoi elle avance, quoi elle avance pas. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je suis en train de serrer les fesses, les gars. Mais genre un coup sur deux, elle me fait des à-coups. Oh là 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 là, j'aime pas ça. Ah mais là c'est clair que je vais tomber en panne. Là c'est clair. Ah ça c'est certain. Je suis tombé en panne tout à l'heure en plus. Je vais vomir dans mon casque. Je vais trop manger. Oh, sans déconner, j'ai vraiment, 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 vraiment trop mangé là. J'ai pris c'est la promotion là pour avoir le jouet mignon. C'était quoi? C'était un boomerang. C'est quoi ce KFC du bled? Mais c'est quoi ça? Mais j'appelle le CFC et HFC. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis au milieu de la route, petit Kinder. J'ai trop mangé. J'ai mal au ventre. Et du coup, j'ai mal au dos. Ça n'a rien à voir, mais c'est le cas. J'ai mal au dos. Salut! Oh là là, ça me brasse. Où est l'essence? On va pouvoir mettre du 98. Bon, vous verrez dans la vidéo pourquoi je dis ça. Je vais là. Moi, je vais là. Merci. Ah merde, tu peux pas. Moi je remplis à gauche. Mais c'est totalement con ça. Ah le bâtard, il m'a dosé. Ah l'enculé. Oh, on va dire que parce que j'ai pris un mauvais départ. Ah la police. Ouais, c'est pas moche Bordeaux. Bon après c'est pas une ville où je dirais habiter, t'as vu, mais Bordeaux, le fleuve c'est vraiment, c'est une catastrophe. Il est noir mon pote, c'est Koh Lanta, c'est le Mekong Zebi. Le miroir d'or ici même, da 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 petit Kinder. Salut mon pote, t'es la place de la bourse ici même, da 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 petit Kinder. Oh, on dirait Lyon et l'hôtel, non, si c'est l'hôtel de ville. Le mec qui connaît même pas sa place. Y'a un mec à poil au-dessus là. En bronze. En rouillé, pardon. Wouah, une 8. Ça, t'en vois pas souvent, tu vois. Oh, chapeau. Je sais que Kinder. Pinder, pardon. Bon, bah les couilles. Ouais, tu me regardes chelou. Mais j'en ai rien à faire. Ouais, on se met dans le coquillage. Salut. Ça lève son fessier pour passer les dos de Dane. Pardon, excuse-moi, skatepark de Bordeaux. En fait, bon, c'est mes parents qui m'ont raconté, moi j'étais pas là. Quand eux ils sont partis de Lyon pour aller à Hossegor, ils étaient chers en avance. Donc en gros, je crois ils sont arrivés à Bordeaux vers 10h, il me semble. Ils ont eu la bonne idée de s'arrêter au skatepark. Donc mon frère il a fait du skate et tout, tranquillou. Et mon père, il a monté, tu sais, genre un petit U, un petit pipe, comme on dit dans le milieu. Et en fait, en descendant, bah il s'est mangé. Et du coup, il s'est râpé tout le coude. Voilà, c'était la petite anecdote qui vous a fait plaisir. Salut mon pote. Petite tatane et tout, ça passe crème. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tranquillou. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Un bâtiment insalubre, sale, avec une écriture rose, genre un sex shop. Une ancienne base navale. On dirait un sex shop. Avec une écriture rose.
stylé. Piste de moto. Ouais, c'est stylé sa mère. Ouais, donc en fait le truc qu'on vient de voir, c'est une piste d'accélération, ils appellent. Putain, c'est dommage on n'a pas ça à Lyon quoi. C'est vachement stylé. Alors apparemment t'as des motos écoles qui s'entraînent dessus, bah pour le plateau. Et aussi genre le vendredi soir de 20h à minuit je crois, il me semble bien, tu peux en gros faire la course. C'est vachement stylé. Oh, le bâtiment là-bas il fait super peur, sa race de mouette. Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes en fait qui m'ont demandé si j'allais à Bordeaux, auquel j'ai dit non parce que sincèrement les gars, de base c'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu que je vienne à Bordeaux. Ça s'est décidé presque au dernier moment. D'ailleurs le motard Girondin, je lui ai envoyé un message jeudi ou vendredi il me semble. De toute façon je suis arrivé assez tard sur Bordeaux. Je suis direct allé le voir. Enfin j'ai dormi avant parce que j'étais un petit peu mort. On a fait que rouler donc j'aurais pas eu le temps de vous rencontrer je pense. Donc n'ayez pas de regrets. On fait la course. C'est pas une Hayabusa ça? Ah ça pousse hein. Ok vas-y. C'est pas... Ah merde c'était rouge. Ah merde! Je crois qu'ils sont en panne. C'est le bordel. Vous avez besoin d'aide? Ouais, t'es sûr? C'est moi je pousse, hein, j'ai l'habitude, hein, je veux dire. Eh, première fois que je pousse pas une voiture, quoi. Eh, ça y est, j'ai fait bader le motard Girondin. Girondin! Il va acheter une MT direct là, c'est bon. Il a vu qu'on pouvait faire des flammes. Il a vu que sa tondeuse verte elle pouvait pas en faire. Et il va voir la vidéo, il va voir, je dis ouais, tondeuse verte. Vas-y, le bâtard. Oh, il y a un panda. C'est Panda Ride. Il y a la gendarmerie. Il y a la gendarmerie. Mais comment allons-nous faire? Je ne sais pas. Ok, donc il y a un mec qui est sur la voie des bus et qui veut nous doubler par la droite. Chacun son truc, hein. Ah, mais c'est la police. D'accord. Moi, je sais pas du tout où je vais. Oui. Oui. Mais je l'ai mis là. Ah, vous l'avez pas mis. Vous allez remettre votre chicane là. Vous allez remettre votre chicane. Oui, remettez, oui. Oui, je vais la remettre. Ouais, voilà, maintenant là. Et vous allez me remettre un pont qui fait moins de bruit. Ouais. Mais j'ai pas compris le truc du clignotant. Là, ici, vous avez pas mis le clignotant pour vous rabattre sur la fuite pour votre copain. Bah, si. Il y est, monsieur. Je suis certain que j'ai mis. Mais après, comme vous. Il a pas fonctionné. Ah ouais, il fonctionne pas. Ouais, en effet, ouais, il fonctionne pas, ouais. Qu'est-ce qu'il a, ce con? Chab, je l'ai mis, hein. Mais il marche pas derrière. Non, c'est rouge, Miguel, par contre. Pour ça, moi, j'ai vu que j'avais mis mon clignot. Je dis, mais si, je l'ai mis. Mais en fait, moi, il marche pas derrière. D'ailleurs, je viens de le capter. C'est un coup, il a grillé tout à l'heure. Aujourd'hui, ce matin, j'en sais rien. En gros, il me parle et tout. J'ai entendu clignotant. Je fais déjà pourquoi il me parle de clignotant vu que j'ai mis mon clignotant. Après, il lui a dit bon, déjà vous allez remettre votre chicane. Et au début, je croyais il me parlait à moi, tu vois. Bah, parce que moi, comparé à sa Z300, je suis plus de barouf quoi. Et moi, il m'a juste dit vous allez remettre un pot moins bruyant. Enfin, juste en gros, il m'a dit change le pot quoi. Elles ont eu peur. Mais bon, d'un côté, lui il avait raison parce que effectivement, mon clignotant arrière gauche fonctionne pas. Je pense qu'il doit avoir un faux contact. Mais moi je savais que je l'avais mis. Donc il y a eu un petit quiproquo. On va dire qu'on était 50-50. En vrai quand même il a été sympa entre guillemets, parce qu'il aurait pu nous aligner hein. Bah rentre bien. Et encore merci. Des fois t'as des policiers, ils ralentissent, ils nous parlent et tout. T'en as, ils ont le smile et tout. Ça c'est kiffant. Bah après forcément comme de partout, t'as des bons, t'as des mauvais. Peut-être que lui il avait passé une mauvaise journée. Moi j'en sais rien, t'as vu. C'est pour ça qu'il tirait la gueule. Peut-être que, je sais pas, c'était un défi avec son pote, j'en sais rien. Je lui cherche des excuses là, mais certains vont dire dans les commentaires « Ah, police municipale, ils servent à rien, je sais pas trop quoi. » Les gars, c'est à ce métier, c'est que ça sert à quelque chose. Dites-vous qu'il y a des branleurs d'éléphants qui existent. En gros, j'ai vu ça sur Facebook, j'étais mort. Bref, ça sert à rien de les insulter dans les commentaires. Il n'y a absolument aucune utilité à cela. Putain, mais je suis paumé les gars là. Je suis paumé de ouf. Brassens, c'est pas là. Ah bah je suis à côté en fait. D'accord, ouais bah ok, c'est bon, j'y suis. Bon allez les gars, à plus dans le bus.